20 millions d'euros, c'est le prix estimé pour l'une de ces villas. Mais c'est incroyable! En tout, le propriétaire en aurait près de 200. Japanese billionaire Genshiro Kobe, he actually does something with the properties. Aujourd'hui, nous allons explorer trois de ces propriétés qu'il aurait acquis grâce à certaines magouilles. I'm using my own personal money here. Une sombre histoire pour ce milliardaire voulant toujours plus. Par contre, il y a des gens chelous qui viennent d'entrer dans la villa. Là. Les gars, ils vont tourner un film de boule, je crois. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois, au Japon. Et aujourd'hui, on va explorer la villa d'un... Clairement, c'est un milliardaire, hein. Du marbre, des trucs en or et tout, des statues, vous allez voir, c'est incroyable. Déjà là, la vue... En fait, déjà, la vue de la villa était hyper stylée, quoi. Vue sur la mer et tout. Bref, et bah, allez, c'est parti, suivez-moi, on part l'explorer. Cette villa, estimée à plus de 20 millions d'euros, n'était en réalité qu'une seule parmi tant d'autres. Rien qu'ici, sur cette petite colline du Japon, nous allons en découvrir trois. Et d'ailleurs, il paraît que la première chose qui a été volée dans cette maison après son abandon, c'est les matelas. Et en enquêtant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de matelas Emma. Vous comprenez mieux maintenant, hein? Trêve de plaisanterie les amis, oui, la vidéo est sponsorisée par Emma. Ça fait maintenant plus d'un an que je dors sur un matelas Emma, et vraiment, mes nuits ont complètement changé. Emma, c'est des matelas, des oreillers, des couettes. En réalité, c'est tout type de produit pour améliorer la qualité de ton sommeil. En plus de ça, ce sont des produits garantis 10 ans, livrés gratuitement, et qui proposent 100 nuits d'essai. Le mien, c'est celui-ci, le matelas hybride. Il possède 5 zones de soutien développées par des experts pour un confort extrême, et il a été primé 7 fois en Europe. Vous recevez votre matelas comme ça, dans ce carton, et vous allez voir, en quelques minutes, on va l'installer. Et c'est ça qui est très très cool avec Emma Matelas. C'est parti! Donc pour le moment, il est plat, mais vous allez voir, il va se gonfler d'air. Et ensuite, bah, ce sera un matelas normal, quoi, un matelas bien douillé. Là. Et en 2 minutes top chrono, votre matelas, il est installé. Donc si toi aussi tu veux tester les produits Emma pour améliorer la qualité de ton sommeil, fonce sur le site car durant toute la période des French Days, il y a des réductions allant jusqu'à moins 50%. Mais c'est pas tout. En utilisant mon code JUJURBEX, tu pourras bénéficier de moins 10% en plus cumulable avec les autres promos. Attention, il n'est valable que jusqu'au 2 octobre, donc n'attends plus si tu veux tester l'expérience Emma. Je te mets le lien du site dans la description, et puis nous, on est parti pour cette exploration. Let's go! C'est une maison qui est paumée en haut d'une montagne et tout, avec une vue, bah, comme vous l'avez vu, imprenable. Enfin, c'est magnifique. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de sangsues ici. Hein. Oui, parce qu'il y a un spot qu'on n'a pas fait parce qu'il y avait des sangsues. Enfin, pour vous dire un peu, la maison, elle est juste là. En fait, on va arriver sur le toit, là. Fais gaffe aux sangsues. Aux États-Unis, c'était la phobie des tiques. Dans toutes mes vidéos, on m'entend, ah, mais regarde, il y a des escaliers, là. Dans mes vidéos, on m'entend dire, ah, j'ai peur des tiques, j'ai peur des tiques. Bah, maintenant, au Japon, ça va être les sangsues. Voilà, génial. Nouvelle phobie. Ok, je crois qu'on arrive au niveau de l'entrée principale. Bah, super. Premier truc que je vois, c'est un cul. Waouh. Ah oui. Ah, tu fais un selfie cul. Ah, ouais. Stylé. Moi aussi, je veux un selfie. Un self-fesse. Un self-fesse. Attends, moi aussi, je veux un self-fesse. Vas-y, fais un self-fesse. Chacun notre tour. Ouais, self-fesse. Non, mais par contre, c'est tout en marbre. Là, c'est des trucs, mais ça doit valoir une blinde. C'est quoi toutes ces statues, en fait? Je sais pas, mais... Elles sont toutes sous papier bulle là. Par contre, c'est vraiment réel, c'est du marbre. C'est bon? Vert comme c'est. Oui, ça sent que c'est du marbre. Ouais, ouais, c'est du marbre, ouais. Ça aussi, c'est du marbre, c'est du biais, c'est du marbre. En fait, tu sais que c'est un mec ça. Merde. Oh fuck. Mais ça, c'est pas du marbre par contre. Non, hein. Ouais, non, c'est de la pierre, j'ai l'impression. Les enfants. Trêve de plaisanterie, les amis. Je suis sûre que vous auriez fait pareil. Nous jugez pas, oh là là. Ouais, allez, on essaie de trouver l'entrée principale. Putain, mais il y a encore des culs. Encore, oh lui, non, il est ferme lui. Il serre les fesses celui-là. C'est quoi? Non mais là, ils se sont trompés. Bref, on va arrêter de rigoler parce qu'en vrai, c'est que des petits anges. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'était tout ouais, sous papier bulle. Même dans des grandes boîtes comme ça pour transporter. Hein? Non. Ça, c'est l'intérieur de la maison? Oh, ça a l'air d'être une dinguerie. Faut qu'on trouve une entrée. Hein. Faut absolument qu'on trouve une entrée. Hein. Oh, la porte, elle est ouverte là. Oh, oui. Bon, allez, on entre. Ah, mais attends, mais c'est incroyable. Oh my god. Oh, mais attends, mais je savais pas du tout que ça ressemblait à ça, en fait. Mais attends, mais il y a encore toutes les statues. Wow, la dinguerie. Non, mais attends, mais c'est un musée, le truc, c'est pas une villa. Mais le mec avait ça chez lui. Bah, le mec, apparemment, ouais. Bah, écoute, il était bien entouré. Waouh. Il était bien entouré, ouais. Non, mais là, c'est un musée, le truc. De ouf.
Ouais, c'est incroyable. Regardez toutes ces sculptures, tout en marbre. Mais la fortune qu'il y a ici. Waouh. Ça me dégoûte les gens qui ont poussé les statues, qui les ont fait tomber. Waouh, waouh, waouh. Non, mais par contre, c'est un truc de dingue. Regardez le miroir là-haut. C'est quoi cette ville-là de taré, quoi. Oh, les grands lions, là. Ça, tu vois, c'est du caillou. Ah bah, on voit ses côtes, comme moi en ce moment, vu que je mange plus. Waouh, c'est incroyable. Mais t'as vu le lustre, là-haut? Oh, punaise, mais j'avais pas vu, il est tout en or. Punaise, il doit valoir une fortune. Mais c'est quoi, ce lieu? Regarde, c'est un truc, tu te poses dessus, tu te fais cirer les pompes, je crois. C'est incroyable. Puis, je peux vous dire que ça, c'est hyper lourd, ça se bouge pas comme ça. Je sais pas comment ils ont fait pour les pousser, les faire tomber. Les petits anges. Ça, c'est du bronze, j'ai l'impression. Faire gaffe. Oh punaise, il devait y avoir un petit jardin japonais ici. Hein. Regardez, avec les pierres. Par contre, c'est vrai qu'on dirait des miroirs sans teint. Hein. Ils sont noirs. C'est vrai, il y a des gens qui nous voient derrière. Waouh. Regardez la vue. Ah mais oui, en fait, vous aviez une petite mise en scène ici, un petit décor, et je pense que ça continuait dehors. Oh, c'est incroyable. Mais c'est quoi ce lieu? Ok, on arrive dans une pièce. Oh, il y a un énorme billard. Putain, moi j'ai vu des vidéos de comment c'était avant. Oh, qu'est-ce que c'est triste. Non, mais regardez déjà, en fait, les deux baies vitrées, là, elles ont été défoncées. C'est pour compter les points, ça? Je sais pas. C'est fou parce que dans chaque petit détail, on voit en fait la richesse du mec qui habitait là. C'est juste incroyable, quoi. Tout est hyper luxueux. C'est... waouh. Par contre, ça m'intrigue. Pourquoi les miroirs, ils sont pas pétés alors que tout est défoncé? Genre, je sais pas. Pour moi, là, c'est la première chose qui se fait péter dans un spot. Juste ici, on a une penderie avec deux pantalons. Regardez comme ils ont moisi. Oh là là, Burke. Punaise, c'est un magazine pour acheter des sculptures en or avec des diamants, des bijoux. Ok. Hello. 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 Je pense qu'ils vont tourner un film de cul, non? Les gars, ils vont tourner un film de boule, je crois. Mais je crois, hein. Mais tu sais pourquoi? Il y a une tonne de gens et tout, hein. Ils arrivent... Mais oui, regarde, ça arrive. Regarde les caméras qu'ils ont. Oh non, c'est gênant. Alors par contre, s'ils ont des battes de baseball et qu'ils commencent à tout casser, on va devoir se taper. Non, par contre, les battes de baseball et tout... C'est vrai? Je sais pas, mais s'ils commencent à casser des trucs... Non, mais ils sont pas là pour ça. Ça va envoyer des cailloux dans la tête, hein. Mais ils avaient des caméras. Bon, ils sont, je sais pas, 15? 10, 15? Je sais pas du tout. Ça fait beaucoup, je trouve, pour tourner un film de cul, à moins que ce soit une partouze. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont une batte de baseball. Et une batte de baseball, bon, ça peut être utilisé pour un film de cul, mais... On s'est dit que si c'était là pour tout péter, ça allait chier. Et carrément, le bon de livraison... Ouais, j'ai vu, il y en a un là-bas. Mais c'est dingue, et c'est la statue qu'il y a dedans? Ouais. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible, sérieux? Je comprends pas. Non mais je sais pas si vous voyez comme c'est immense, quoi. La pièce, mais vous avez vu? Enfin, en vrai, je me fonds dans la masse. On a l'impression que je suis une statue. J'aurais qu'à monter là-dessus et c'est bon. Non mais vraiment, c'est waouh, waouh, waouh. Même si c'est, j'allais dire, un peu cassé, même si c'est énormément défoncé, c'est très très classe. J'adore. Et là, on a carrément des vitrines. Il y avait encore des statues ou je ne sais quoi, des choses de valeur. Ici, on a un énorme vase avec des fleurs. Bon, c'est des fausses, hein. C'est pour ça qu'elles sont encore belles, entre guillemets. Oh, ça devait être un énorme cadre. Waouh. Temple figure, mais c'est écrit en français. Je vous le rappelle, on est au Japon. Hein. Je trouve que cette statue-là, c'est vraiment la plus stylée. Et elle est trop, trop classe, avec le pied en marbre noir, là. Bon, allez, on va monter voir ce qu'il y a là-haut. Le propriétaire de ces immenses villas, c'est ce monsieur. Et si aujourd'hui elles sont dans cet état, c'est parce qu'il est en prison depuis 2018 pour avoir été au cœur de plusieurs grosses polémiques.
Mais vous inquiétez pas, je reviens sur celle-ci plus tard dans la vidéo. Waouh, cette pièce, elle devait être ouf! Elle devait être ouf! C'est incroyable! Non mais Isa, il y en a encore qui arrivent? Mais les gars, je sais ce que c'était cette immense pièce avec la moquette rouge, elle est incroyable! C'était le bureau d'une personne qui vivait ici. Et c'est quoi ça? C'est une pierre? Une pierre précieuse? Je sais pas du tout. Énormément de papiers. Tokyo Hotel. En tout cas, regardez cette immense table. Tout en or. Ça, c'est du bois. Elle est magnifique. Hein. Il y a les petits tiroirs. Il faut une clé. Ah non, c'est des faux tiroirs. Ah ouais, c'est des faux tiroirs. Waouh. On a encore 2-3 sculptures, là. C'est dommage que le lieu soit dans un état... Franchement, ça dégoûte. Regardez tout ça, là. Il devait y avoir plein de sculptures. Ah, c'est pour le billard. Ça va en bas, ça. Là, il y en a encore plein. Je pense que c'est un mec qui voyageait beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est que des sculptures qui viennent de pays différents. Là, on a des coquillages. Bon, punaise, la grosseur de ces coquillages. Je sais pas si c'est des vrais. Si, ça a l'air d'être des vrais, hein. Énorme. Et je sais que dans ce lieu, il y avait une énorme table en verre, magnifique et tout. Bah regardez, elle est là, pétée par terre. Pff, ça me donne la gerbe, je suis dégoûtée. Sérieux, faut être con quand même. On monte le tapis rouge. Oh là là, on a encore une statue juste là. Par contre, ils sont allés où, tu m'expliques? Je trouve qu'il y a une autre villa bien mieux. Oula, mais attends, mais il y a encore un cul? Mais c'est bizarre, il y a un pied et des fesses. Là-bas, on a une jambe. Oh là là, c'est trop triste. Oh, ça devait être un petit salon, ça. La statue qu'ils ont mise sur le canapé devait être là-dessus. Oh. Ouais, c'était vraiment quelqu'un qui voyageait beaucoup. Regardez, on a une queue de paon, là. What the fuck? Ça se vend, ça? Ça s'achète? Je savais même pas. Regardez l'érable du Japon, un vrai. Dans son milieu naturel, il est trop beau cet arbre. Oh putain! Oh viens voir! Viens voir, viens voir! Oh, je me disais qu'on n'en avait pas encore vu. Oh pétard! Non mais viens voir vraiment! Mais tu vas être choqué! C'est une araignée ça? C'est une araignée! Taille de stylet! Tu crois qu'elle est vivante? Ah oui, elle est vivante! Mais je n'aime pas ça moi! Je déteste les araignées. Putain, j'en sens sur moi maintenant. Waouh, non mais c'est quoi cette pièce de taré? Oh, regardez ce qu'il y a là. C'est un vrai? Tu crois que c'est un vrai? Non, c'est un vrai. C'est la peau d'un vrai tigre. Et là, c'est un quoi? C'est un chameau? Ah oui, il est empaillé, regardez. Oh là là. J'avais jamais vu ça en vrai. Hein. Waouh. Regardez-moi cette beauté. Il est tellement beau, pauvre bête, sérieux. Regardez ces petites patounes. Oh, oh non, franchement, je trouve ça trop triste. Et en plus, il s'est fait défoncer, quoi. Dégueulasse, ça me dégoûte. Les gens qui empaillent les animaux, voilà, et les gens qui cassent des trucs, ça me dégoûte. Tout me dégoûte. On voit vraiment que ça a été squatté, regardez, ils se sont servis de ces trucs en marbre, comme cendrier. C'est n'importe quoi. C'est triste quand même. Hein. Franchement, vous comprenez pourquoi on donne pas les adresses des lieux qu'on explore? Parce que bon, je sais que 90% d'entre vous sont bien intentionnés, mais hélas, il y a un petit pourcentage qui le sont pas du tout. Qui sont là juste pour tout déglinguer, pour se défouler en fait. On a un vitrail là, avec un paon dessus. Et ça, c'est quoi? Un vautour? Je sais pas du tout. Regardez les pattes qu'il a. Cet oiseau, franchement, il a plus de tête, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Hein. Dites-moi si, juste avec ce qui en reste, vous savez ce que c'est. Et on parle des lustres, ils sont magnifiques aussi. Hein. Mais pareil, ils ont vraiment tous été pétés, mais il y en a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 lustres. Oh, et ce meuble. Vous voyez, ce meuble qui doit être très très lourd, bah, du coup, il a pas trop été impacté par les casseurs. Sympa. Oh punaise, ça c'était la très grande table qu'il y avait. Oh, quelle tristesse.
Mais les amis, je sais ce que c'est. Regardez le truc de métal derrière, là. C'est un pan. Et du coup, il y avait la queue de pan, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Là, il y avait une sculpture de vache, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas une vache. C'est un chien. Ah, je crois. Putain, par contre, c'était solide, hein. Regardez encore des sculptures un peu étranges. On dirait des personnes qui sont bloquées dans les murs et qui essayent de sortir. Oh, il y a une grosse bête encore, là. C'est un papillon. Ouais, j'ai l'impression. J'ai pas envie qu'il me saute dessus. Putain, mais il y a des araignées partout, hein. Oh, attendez, mais il y a plein de bestioles. Oh, viens voir. Oh, punaise. C'est une énorme libellule. Je suis sûre que t'en as jamais vu une aussi grosse. Elle est trop belle. Mais il y a plein de libellules et d'insectes. Ils devaient être bloqués, ils n'ont pas réussi à sortir. Normalement, ça pique pas, non? Elle est trop belle. On dirait un drone. On dirait un drone. Mais... On dirait moi, quand j'ai commencé à piloter les drones, ça se prenait les murs. Oh, trop stylé. Non, non. Ah, elle commence à s'épuiser, là, la pauvre. Ah, elle bouge. On l'a mis dans un journal. Allez, envole-toi, peut-être. Oui. Non, non. Non. Bon, elle est un peu fatiguée. Mais en fait, elle a des toiles d'araignée sur les fesses. Ouais. Du coup, je sais pas si... Bah voilà. Ça y est. C'est notre BA du jour. La vue qu'on a de cet escalier, c'est gigantesque. Non, mais... Franchement, ça devait être tellement stylé quand c'était pas abandonné. Ou même au tout début de l'abandon. C'est... Ouais. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il avait foutu toutes ces statues. Pourquoi il y en a autant, je sais pas. Je sais pas ce qu'il voulait en faire. Là, il y a plein de poils et tout. Et en fait, la tête du dromadaire, elle devait être ici. Attachée, là, juste dans les escaliers. On se disait qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de lit, mais ça, j'ai l'impression que c'est un matelas. Ouais. Ça, ça avait l'air douillé. Mais par contre, je sais pas où c'était. C'était peut-être là, mais c'est chelou. Tout était vraiment prêt pour être embarqué, pour aller carrément dans un sac, dans une boîte, et je sais pas pourquoi, c'est jamais parti. Franchement, c'est trop chelou. Il y a vraiment pour cher, là. C'est que du marbre. Puis même si c'était pas du marbre, quoi, c'est des statues, enfin... Wow. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a, là. Bon, on vient de sortir de la villa principale, la villa que tout le monde connaît, en fait. Je suis sûre que vous l'avez... Si vous kiffez l'urbex, vous l'avez déjà vu sur YouTube. Elle est très connue, cette villa. Et bref, là, du coup, on va essayer de trouver les autres villas, parce qu'il paraît qu'il y en a 3 ou 4. C'est un domaine immense, sûrement pour les invités, ou je sais pas, vous voyez. On arrive sur la deuxième villa. Faut passer sur l'échelle. Ah, ah. Oui, ils sont là. Oui, ils sont là-haut. Ouais. Et les mecs qu'on a croisés tout à l'heure. Et ils sont là. Ouais. Et le mec qui était torse nu. Ah ouais. Oui, il est en train de se déshabiller. J'ai vu les nénés de la poêle, la meuf aussi. Les nénés de la meuf? J'ai vu les nénés de la meuf. Non. Oui, donc ils sont vraiment à poil. Regardez, en fait, ici, c'était vraiment une villa qui était habitée. L'autre, c'était, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un endroit, je pense, plus pour accueillir, je sais pas, des... Enfin, franchement, je sais pas du tout. Et il y a un énorme tableau, là. Waouh. Mais c'est quoi, ce lit? Ce truc immense. Je dois faire toute petite. C'est quoi, ce lit? Du marbre, voilà. Et ça, c'est le matelas. 2 mètres sur 2 mètres. C'est un king size. Mais encore des statues, hein. Et lui, il se lave les dents. Enfin, il se lave les dents. Les yeux aussi. C'est un peu moins délabré, j'ai l'impression, ici. Je sais pas. C'est la salle de bain? Ouais. Oh, la baignoire! Oh! Classe! Tout en marbre. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le truc que je dis tout le temps. Tout en marbre. Oui, il y a des chiottes de luxe. Là? Ah ouais! Oh! Est-ce que c'est des toilettes vraiment à la japonaise? Mais non, il n'y a pas tous les boutons. Ils sont où, tous les boutons? Là, le petit évier, le petit lavabo. Est-ce qu'il y a d'électricité? Non. Et le petit détail qui fait tout, le miroir au-dessus de la baignoire. Voilà. Génial. Oh, regardez ça. Oh, le savon. Il y a quelques années, celui-là. On a pas mal de trucs encore. Oh, oh. Ah, ça... Oh, ça me dégoûte. Quoi? Ah oui, si, il y a un truc liquide qui sort. C'est pas ce que vous semblez. Et là, on a peut-être des trucs. Regardez, c'est pas un mascara de luxe, hein? C'est un mascara, hein? Je sais pas comment ils ont fait pour péter ces vitres. Non, mais regardez l'épaisseur, quoi. Je sais pas avec quoi ils y sont allés pour péter les vitres. Avec des statues? Ah oui, l'extincteur qui est là. Ah oui, avec l'extincteur. N'importe quoi, les mecs. Non, mais là aussi, ils ont tout pété. Oh là là. Il se passe des choses bizarres derrière moi, les gars. Ah, c'est des...
Oh, regardez les grands miroirs. Waouh. C'est ouf. Ils sont là-bas, regardez. Ils font des shootings, en fait. Hello. La caméra qu'il a, le mec. En fait, ils font des... J'ai l'impression que c'est de la mode. Ils font des shootings. Oh, mais c'est trop beau. Wow, mais il y a des miroirs au plafond, là aussi. Hein. Putain, mais elle est encore intacte, cette pièce. Oh, par contre, ils ont fumé, ça me dégoûte. Ça, je déteste ça. Oh, les mecs qui fument dans les urbex, je vous déteste. Ah, ça me dégoûte. Oh, la table. Bon, par contre, il y a tout leur matos dessus, c'est con. Attends, mais j'ai l'impression que c'est encore plus classe ici. Ouais, ah ouais, la vue. Oh, la vue. Et là, du coup, il y a cette immense table en marbre. Ah non, putain, c'est du bois. Eh, c'est du bois, les gars. Je pensais pas du tout. Et regardez, on voit comme le tapis a perdu de sa couleur avec le soleil. Et en a, je sais pas comment ils ont fait, ils ont réussi à déplacer la table et on voit comment il est le tapis de base. Ça fait combien de mètres? 4? Je sais pas, mais t'imagines, tu manges, voilà. Salut! Ouais, non. Pas 10 mètres, non, 4 je pense. 1, 2, 3, ouais. J'ai des petites jambes près de 3 mètres. 3, ouais. Pour comprendre pourquoi ces villas sont laissées à l'abandon depuis maintenant une dizaine d'années, il faut remonter un petit peu dans le temps. Ce milliardaire japonais, né dans les années 30, était à l'époque un passionné d'art et de voyage. Il était connu dans le monde entier pour ses nombreux investissements immobiliers au Japon, en Californie et à Hawaï. D'ailleurs, en 1979, il était déjà propriétaire de près de 200 villas, reconnaissables grâce aux centaines de sculptures qu'il entreposait dans chacune d'elles. Mais pour lui, 200 demeures, ça ne lui suffisait pas. Au début des années 80, il commença à utiliser des techniques plus que douteuses pour acquérir toujours plus de propriétés. Son but, c'était d'acheter des villas dans des quartiers riches pour les laisser ensuite à l'abandon. Il y faisait dormir des SDF et il a même plusieurs fois été pris en train de casser des murs, détruire des clôtures ou encore remplir les piscines de ses propres villas de cailloux. Tout ça dans le seul but de faire baisser la valeur de l'immobilier pour pouvoir acquérir encore plus de maisons et les revendre lorsque le prix aura de nouveau augmenté. Il était connu aussi pour avoir expulsé en 2002 plusieurs locataires de 27 logements, en affirmant qu'il devait partir dans un délai d'un mois car, je cite, « il voulait vendre ses maisons pour profiter de la hausse des prix ». Enfin, en 2013, il sera soupçonné d'avoir détourné plus de 800 millions de yens, soit environ 5 millions d'euros. Et en 2018, à l'âge de 86 ans, il finira par être condamné à 4 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale. Les autorités saisiront plusieurs de ces villas, mais certaines d'entre elles seront laissées à l'abandon et deviendront un terrain de jeu pour les cambrioleurs et casseurs qui, avec le temps, finiront par détruire celles que nous explorons aujourd'hui. C'est juste incroyable, quoi. Là, on est vraiment dans un lieu de fou. Yeah, mais ça continue, là. Ok. Il y a des cuisines. Ouais, elles sont bien défoncées aussi. Mais des petites cuisines. Enfin, petites cuisines pour l'immensité de la maison. Waouh. Vous avez la hauteur de... Voilà, quoi. C'est des trucs énormes, des blocs de marbre. Et là, du coup, petit... Enfin, grand balcon, gigantesque balcon qui donne... sur une vue de taré. Attends, mais ça, du coup, c'est la maison... Eh, mais attends, ça, c'est la maison qui habitait, hein. Ah ouais, waouh. Oh là là, c'est trop beau. Et ce que vous savez pas, c'est que derrière cette colline, là, il y a le mont Fuji. Voilà, qui est un volcan, d'ailleurs. Ouais, c'est trop beau, ici. Regardez, cette statue, elle est tombée. Je sais pas comment c'est possible que la vitre n'ait pas pété, parce qu'elle est gigantesque. Hein. Franchement, elle est immense, la statue, elle doit peser je sais pas combien de kilos. Encore une fois, je me répète, mais est-ce que vous voyez l'immensité de cette pièce? C'est juste gigantesque. Du marbre partout, des miroirs, il y en a même au plafond des miroirs. Je sais pas si vous voyez. C'est... Waouh. Regardez derrière. C'est des acteurs. Et t'as vu, il est avec sa batte de baseball. Et il y avait aussi une troisième villa, toujours située sur la même colline. Mais celle-ci, nous l'avons explorée vraiment vite fait parce que j'étais très malade et qu'il pleuvait. Donc j'avais juste envie de rentrer me poser. Donc voilà, je vous ai fait quelques images. Comme ça, vous pouvez voir qu'encore une fois, c'était une villa vraiment hyper luxueuse. Mais vous l'avez compris, il n'y aura pas une exploration dans les moindres détails de cette villa.
Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me lâcher un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. En vrai, je pensais pas que j'allais autant kiffer vu comme c'était délabré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à celle d'Urb Explorer qui est dans la description. Puis tous ces réseaux, TikTok, Instagram, etc. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain, 18h, pour une nouvelle exploration. Ciao.